camper, on a tout été camper, on a demandé Diane Félix capable de passer pour faire lecture vraiment à la gloire de Dieu. Et mon qui chita, on a demandé au camper s'il vous plaît, bon Dieu béni. Avez monté avec nous. On a fait une lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans 2 Timothée. Oui, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 1er à 16. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je lui dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivions aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se ruiner lui-même. Rappelle-toi ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Merci, asseyez-vous. Merci.